Yo tout le monde, c'est Horrorplay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons miner et ouais on va miner en grotte et ça va être super génial. Donc voilà l'élevage de vaches, qu'il est très beau, très magnifique, et voilà notre agriculture. Donc juste avant d'aller miner, on va s'occuper de l'agriculture, de récolter le blé. Et voilà, donc la dernière fois nous avions fait cette maison. Donc on avait créé le toit, mis le sol et mis des meubles. Et puis nous avions fait le toit juste ici. Nous avons fait le toit juste là, en pointe, pour que ça fasse plus joli. Et donc c'était plutôt cool, on s'est plutôt bien amusé. Et donc maintenant on va aller juste chercher de la nourriture et puis on va commencer la vidéo. Donc encore une fois, vidéo de 30 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, des commentaires, partager la vidéo. Et puis je pense que j'ai tout dit. Et donc c'est parti, on commence. Donc c'est parti, de la viande. On mange parce qu'on a faim. Hop, on fait cuire le reste de nos steaks. Tac. Voilà notre magnifique petit chien. Alors vous avez toujours pas mis de commentaires. Parce que je regarde si vous mettez des commentaires ou pas. Vous avez toujours pas mis de commentaires, mais c'est pas grave, vous avez le temps d'en mettre, hein, je vous presse pas. Vous avez le temps de mettre des commentaires, mais vous inquiétez pas, ça va aller. J'attends encore 2-3 jours et dans le prochain épisode on donnera un nom à notre chien. Donc c'est parti, donc on va s'occuper de prendre le blé et après on va aller miner en grotte. Donc c'est parti. Ah, attendez. Voilà. Donc c'est parti, on prend le blé. Oh, il y a des zombies. Hein, il y a des zombies. Des zombies qui brûlent. Oh, oh, je bug. Mon personnage. Ah. Ah, ça bug. Attendez, ça bug un petit peu. Ah. Ah. Attendez. Attendez. Voilà. On va quitter et revenir. Parce que là, je bug un petit peu. C'est bizarre. Voilà, je bug plus. Voilà, parfait. On a réglé le problème. On peut continuer à récupérer le blé. Hop, on récolte le blé. Ah! Ah shit! Vous inquiétez pas, on a le temps. On a le temps d'aller miner. Pas de stress. On a le temps. Hop! On a le temps parce que là je prends un peu mon temps pour faire le champ de blé, mais vous inquiétez pas, on a le temps. Pas de stress, pas de stress. Hop, on replante le champ. Il faudra que j'aille chercher la houe. D'ailleurs la houe, on va la mettre dans la cabane à jardin, parce que du coup c'est une cabane à jardin. Du coup bah on va s'occuper de mettre les ustensiles de jardinage, enfin de l'agriculture, donc la houe, le seau d'eau, on va le mettre dans la petite maison là. Et oui, oui, on va le mettre dans la petite maison là, ça va être plutôt pas mal. Donc c'est parti. Ah. Shit. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. 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 Hop, hop, hop. Hop, allez. Voilà.
On va s'occuper de mettre la houe, le seau d'eau dans la petite cabane en bas. On va juste reprendre une graine. Hop, voilà. Hop, parfait. Hop, hop, hop. Et ensuite, bah, après, on va aller dormir et ensuite, on va aller miner en grotte. J'espère qu'on va retomber sur du diamant, ce serait plutôt pas mal. Hop, on pose le seau d'eau. Hop, 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 hop. Hop et hop. Voilà, voilà. Donc, on va poser la houe, on va dormir et ensuite on va partir miner. Comme Bernard Minet. Excellente la blague. J'adore, c'est l'humour qui me fait vivre. Wow. Viens là, fight, fight. Voilà. Wow. Il y a plein de monstres. Hop, on grimpe. Hop, et hop. Hop, on pose les flèches, on dort. On va se recrafter une pioche. Parce que notre pioche en fer, elle est bientôt cassée. Et ça, c'est pas très cool. Hop. Voilà, une pioche en fer. On dort. Et ensuite, on est parti pour aller... Eh bien... Ensuite, on est parti pour aller miner. Donc, c'est parti. On va miner. Donc, c'est parti. Donc, let's go. On va tuer l'araignée. Viens là, l'araignée. Fight. Et on tente le jump. Le jump. C'est parti, on tente le jump. Il y a un zombie. Je sais pas où il est, mais il est quelque part. On tente le jump, on tente le jump. Et bim, le jump. C'était un jump assez facile. Mais on adore le jump. Bon, bah notre élevage de vaches, il avance tranquillement. Notre agriculture, il avance tranquillement aussi. Donc c'est parti. Oh, ça c'est un trou de creeper. Un méchant trou de creeper. Le creeper, c'est méchant. Donc c'est parti, on va miner en grotte. Donc nous revoilà dans les tréfonds des profondeurs de Minecraft. Donc c'est parti, notre but c'est de trouver du fer, hein. Du fer, de l'or, du diamant, tout ce qui peut nous être utile. Tiens, déjà voilà du charbon. On va en récupérer parce qu'il nous en faut. Plutôt pas mal du charbon pour le four, pour les torches. Donc on va en récupérer. C'est plutôt pas mal. Tac, tac, tac. Tac. Tac et tac. On n'a pas beaucoup de torches. Ça, c'est une erreur de ma part. On n'a pas beaucoup de torches. Je vais peut-être alors crafter des torches. Ouais, je vais peut-être alors crafter parce que... On va pas faire long feu avec 5 torches. On va pas faire long feu. Ouais, j'ai recrafté des torches. Et... Oh! Bah là, il y a du fer. Parfait. J'ai recrafté des torches. Je fais une ellipse, je vais crafter des torches et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai été crafter des torches. Donc on est parti, 45 torches, c'est plutôt pas mal. C'est 40 torches de plus que ce qu'on avait au départ. C'est plutôt pas mal. Là il y a du fer.
Hop, ah oui, il y en a beaucoup en plus. Il y a une araignée aussi. Mais ça, on s'en fout. Hop, on récupère du fer. Donc dans le prochain épisode, on va préparer le Nether. On va préparer un portail du Nether avec tout ce qu'il faut comme stuff pour partir dans le Nether. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. Voilà, 10 de fer, c'est pas mal. Donc vidéo de 30 minutes, comme d'habitude. Oh, méchante araignée. Hop, elle est morte. On va descendre dans les tréfonds. Aïe. Oh, il y a de la redstone. On va la récupérer. On va récupérer la redstone. De redstone, c'est pas mal. Ah bah tiens, encore de la redstone. Oh, excusez-moi. Hop, du charbon. Niveau 20, on est. Il y a encore du fer. Hop, 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 hop. Ah, notre pioche vient de se casser. C'est pas grave, on a une autre pioche. Parce qu'on a prévu le coup. Hop, hop, hop. Encore du fer. Hop, oh, de l'or. On va récupérer de l'or. On est riche. On est riche. Wow. Ah, c'est un zombie qui a brûlé dans la lave. Oh. Vous voyez, il faut toujours faire gaffe dans Minecraft. Faut jamais creuser en dessous de ses pieds parce qu'il peut y avoir ce genre de situation où il y a de la lave en dessous de nos pieds et ça peut être très dangereux. Surtout, ça peut nous faire perdre notre stuff et tout, c'est ultra relou. Il y a du lapis-lazuli, on va le récupérer. Hop. 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 Voilà, du fer, de l'or, du charbon, du lapis-lazuli, c'est parfait. Ah! Ah! C'est qui nous tire dessus? Ah! Ça vient de là. Ah oui, il est là. Aïe! On va essayer de jumper. Hop! Viens là, fight! Fight! Voilà. Hop, encore du fer. C'est parfait. On trouve plein de fer. C'est super cool. Il y a encore du lapis-lazuli, pas du lapis-lazuli, mais de la redstone. Hop, du fer, du charbon, de l'or encore. C'est plutôt pas mal. Faudrait qu'un jour on fasse une vidéo à plusieurs. On joue à plusieurs sur Minecraft. Ça peut être cool. Faudra qu'on fasse ça un jour. Il faudra qu'on fasse ceci. J'adore chanter. Ah! Dégage! On se fait attaquer. C'est pas cool. Moi, j'ai pas demandé d'être attaqué comme ça. Je suis gentil, moi. Pas cool.
Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. On est parfait. Hop, encore du charbon. Du charbon, de toute façon, il y en a toujours plein dans les grottes dans Minecraft. C'est le minerai qui est le plus à profusion avec le fer dans les grottes. Bon, sauf que depuis la nouvelle mise à jour de Minecraft, maintenant c'est plus le charbon et le fer qui sont en profusion, c'est le minerai de cuivre. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé de minerai de cuivre dans cette partie, mais je crains qu'il n'y en ait pas. Des minerais de cuivre. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hop, on mine. Hop, 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 hop. Faut que j'arrête de faire hop, hop, hop. Oh, du fer. Cool. Hop. Hop, allez. Encore du fer. Ah, encore du fer. Ah, il y a de l'or. Il y a de l'or. Wow, c'est dangereux. Je m'aventure pas là-dedans. On va encore récupérer le charbon là. Bon, bah, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau du minage. On va remonter et on va voir ce qu'on va faire. Parce que j'en ai un peu marre de miner là. Je sais que j'avais dit qu'on ferait une vidéo entière où on mine et tout. Mais j'en ai un peu marre. On va faire quelque chose de beaucoup plus amusant que du minage. On va essayer de fabriquer un canon à TNT. Non, je rigole. Un canon à TNT, on va faire tout péter. Non, je sais pas. On va peut-être s'occuper de la maison et tout. Hop. Par contre, c'est où la sortie? La sortie, s'il vous plaît. C'est par là la sortie. Hop. La sortie, c'est par là. En plus, il nous reste plus qu'un steak. On a combien là? 32 de fer, 29 de lapis-lazuli, 64 de charbon plus 4, 19 d'or, 64 de redstone et 19 de redstone. Ok, on est plutôt pas mal. Bah, les 10 dernières minutes qui nous restent, bah tiens, il y a encore du fer.
On va s'occuper du champ, de l'élevage de vaches et tout. Enfin, on va faire ça. C'est plutôt pas mal là. Oh! C'est le nouvel animal! D'ailleurs, la dernière fois dans une vidéo, j'ai dit que c'était gris, mais en fait, c'est brun. Voilà. Je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Hop! Ah! On a fait le tour. Oui, c'est par où la sortie, please? Sortie, please. Waouh, on a failli tomber. Ah oui, c'est par là. Je reconnais. Hop, êtes-vous prêt à grimper la cascade? La cascade. Glou, 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 glou. Ah. Ah, shit. J'arrive pas à remonter. Hop. Glou, 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 glou. Hop, allez. Après, ça sert à rien de remonter par la cascade, puisque après, il n'y a plus... Hop. On a presque fini de remonter. Wow! Wow! Putain, il nous a foncé dessus! Fight! Oh la vache! Il nous a rushé dessus! Ah bah tiens, il y a encore du fer! Il y a encore du fer! Hop! Wow, un Enderman. C'est où la sortie? Je suis perdu dans cette grotte. Ah non, c'est bon, je crois que j'ai trouvé la sortie. Oui, c'est bon, j'ai trouvé la sortie. Ah bah tiens, il y a encore du fer. Hop, il fait nuit. On sort notre épée pour pas se faire attaquer par les monstres. Waouh, c'est trop stylé avec la lumière et tout. J'adore. J'adore ma maison. Waouh, creeper. Ah putain. Le creeper, il a explosé. Dégagez, bande de monstres. Vas-y, on va se fight avec le creeper. Ouais, il y a trop de creeper. Lui, on va le faire péter. Explose. Oh! Non, 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 creeper. Tu... Wow! Pourquoi il y a toujours des creepers qui spawnent ici? On a mal choisi notre l'endroit pour notre maison. Ah bah tiens, il me fait déjà. On va dormir. Même si le soleil est en train de se lever. Voilà. Hop. On a mal choisi l'endroit de notre maison parce qu'il y a plein de creepers qui spawnent toujours là. C'est ultra relou. Bon, on va poser la redstone. L'or, le fer, le lapis-lazuli, le charbon, la pierre, la terre, ça, tac, tac, tac. Tac. On va poser notre poutre de creeper. Hop, la terre, la pierre.
La poudre des creepers, ça, la terre, la pierre. Hop. La chair à zombie. On fait chauffer notre fer, on prend nos steaks. Hop. Voilà. Attendez. Ah. Encore une fois, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ah oui, j'avais dit qu'il fallait qu'on se craft une table d'enchantement et une pioche en diamant. Oui, bah ça on fera quand on préparera le nether. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le fer est en train de cuire. Ça c'est bon. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, alors. Il y a des trucs creeper partout. Ah là là. Bon alors, l'élevage de vaches se porte-t-il à merveille? Est-ce qu'on peut faire une nouvelle vache? Non, toujours pas, le bébé veau il a pas grandi. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre du blé et on va faire rentrer les deux vaches qui sont à l'extérieur de l'enclos, à l'intérieur de l'enclos. Comme ça nous fera plus de vaches. C'est une petite technique aussi, si des fois il y a des vaches à l'extérieur de l'enclos, c'est des vaches qui ont spawn à l'extérieur de l'enclos. Et ben, si elles ont spawn à l'extérieur de l'enclos, et ben, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du blé et les attirer dans l'enclos. Et nous, c'est ce qu'on va faire. J'espère juste qu'elles n'ont pas des spawns. Parce que quand on trouve un animal et qu'on s'en va, et en tournant la tête, et ben ça les fait despawner généralement. Donc là, j'espère que c'est pas le cas. Ah si, je crois que c'est le cas. Ah non, c'est bon, elles ont pas des spawns. On va les attirer dans l'enclos. Hop. Venez là, les petites vaches. Venez, venez là. Voilà. Voilà. Et voilà, comme ça on a un peu plus de vaches. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Je préfère. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps avant que la vidéo se termine. Mais ouais, voilà. Il nous reste plus beaucoup de temps. Donc les derniers temps qu'on va utiliser pour qu'est-ce qu'on peut bien faire pour le temps qui nous reste? Eh bien je ne sais pas. Hop, on va reposer ça. Ah ouais, tiens, on va planter des patates. On va planter des patates. Il nous faut... Ah bah tiens, le seau d'eau, il est dans la cabane à jardin. On va planter... Aïe. On va prendre la houe et on va planter des patates. C'est pas mal, ça. Ah, attendez. Ah, excusez-moi. Hop, bon, j'aurais peut-être dit on s'excuse parce que... On s'en fout, hein, j'éternue. Ah, ça me reprend.
Ah non, c'est bon. Ah, je sais pas ce que j'ai. J'éternue. Ah, shit. Hop, on va poser de l'eau. On va poser de l'eau juste ici. Et... et on va planter des patates. Voilà. Voilà, voilà. Plantage de patates. Bon, bah voilà, notre élevage, ça avance. L'agriculture, ça avance aussi. C'est parfait. On va juste reprendre de l'eau. Bon, bah la vidéo va s'arrêter. On pose juste nos affaires. Merde. Hop. J'ai fait une petite erreur. C'est pas grave. Donc la vidéo va bientôt s'arrêter. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous allez l'aimer plutôt. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, partager la vidéo, commenter. C'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, je dis globalement la même chose à chaque vidéo, mais c'est normal, c'est le quota. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, partager, commenter. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à plus.